Ce dimanche 11 août 2019, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski. Déjà à 9h, les fidèles musulmans de Nati Tengu, parés de beaux vêtements, ont pris d'assaut les différentes places édits pour la grande prière. À 9h10, l'imam de la mosquée centrale de Nati Tengu, Cheikh Nourdine Mohamed Sani, lance officiellement la prière. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dans son prêche, l'homme de Dieu a enseigné à ses fidèles la crainte d'Allah et a insisté sur le respect des parents et l'amour du prochain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des pères et mères et la colère d'Allah se trouve également dans leur colère. Donc il ne faut jamais les faire fâcher contre toi, ô serviteur d'Allah. Ensuite, le rite solennel de la célébration de cette fête est intervenu, l'immolation du bélier. Cet acte symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple. Madame le préfet du département de l'Atakora, Lydie Chabina Déré, le maire de la commune de Nati Tengu, Christophe Pontikambou, les représentants des religions endogènes et chrétiennes n'ont pas manqué au rendez-vous. Et en tant que fidèle chrétienne catholique, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté que je prends part à cette prière, à cette grande prière. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'imam central de la ville de Nati Tengu qui nous accompagne et les autres hauts dignitaires pour que les choses se passent très bien au niveau du département, la cohabitation, notamment la cohabitation pacifique entre les différentes religions que nous avons au niveau du département. Et je profite de l'occasion pour souhaiter à la communauté musulmane de l'Atakora une bonne fête de la Tabaski. Vous ne pouvez pas faire de développement avec les gens qui ne craignent pas Dieu. Et quand on voit ce que la communauté musulmane mène comme activité au niveau de ma commune, je me dois dans un premier temps venir leur témoigner ma reconnaissance et profiter, prier pour la paix pour tout le pays et particulièrement pour notre commune. Et quand vous avez suivi les prêches de son éminence, l'imam central, il nous a exhorté au pardon, à la tolérance et au développement. Vous comprenez que je ne pouvais pas être absent à cette grande cérémonie qui est une fête encore de surcroît où je profite en même temps pour leur souhaiter une bonne fête et souhaiter que la fête ne soit pas des occasions de trop boire ou bien de trop circuler. Vous le constatez, les souris sont aux lèvres un peu partout, non? Et les enfants, les grands, les femmes, les hommes, tout le monde est en joie. Comme vous le savez, la fête de la Tabaski, c'est une des plus grandes fêtes de la communauté musulmane et même du monde entier. Donc pour cela, la fête est belle et puis tout le monde est en joie. À cette occasion festive, l'imam de la mosquée centrale de Nati Tengu, Cheikh Nourdine Mohamed Sani, accompagné de ses hôtes, a mis en service officiellement le château d'eau de cette mosquée. Cet acte vient donc mettre un terme à la prière de l'Aïd El-Kébir 2019. Bonne fête aux fidèles musulmans de la commune de Nati Tengu et d'ailleurs. Merci bien, je vous remercie beaucoup. Merci et je vous souhaite bonne fête. Merci bien. Merci.